attention que si vous n'êtes pas sensible, vous allez le rater. And this program is one of those programs that that will establish a lot of things and separate us away from the junks. Et ce programme est l'un de ces programmes qui va établir en nous beaucoup de choses et nous séparer de beaucoup de diffusion. And what we put on it will demand what we have. Ce que nous allons y mettre démontrera ce que nous avons. It's very important. Et cela est très important. Today we pray God will help us. We want to talk about the Christian walk. Aujourd'hui nous prions que Dieu nous aide car nous voulons parler de la marche chrétienne. You know, if you receive Christ just like you just receive Christ and sit down or lying down, you will not truly understand what Christian walk is. Si vous recevez Christ et que vous vous asseyez juste comme ça, vous ne comprendrez pas ce que ça veut dire la vie chrétienne. It was Paul that told the church that they said, now that you are in him, be rooted in him. C'est Paul qui a dit à l'église que pendant vous êtes en lui, alors soyez enracinés en lui. While you are rooted in him, then walk in him. Tandis que vous êtes enracinés en lui, marchez aussi en lui. You know, when we look at children, the way we give birth to them, the process they go to growth, these are the same thing that happen when you give your life to Christ. Quand on met au monde des enfants, le processus par lequel ils grandissent, c'est la même chose qui se passe dans notre marche avec Christ. Now, at this point, all of us have to forget about our role we play in the church or in the body of Christ. À ce niveau, nous tous, nous devons oublier les rôles que nous jouons dans l'église ou dans le corps de Christ. Now, if Christian life is a walking life, then there will be things that will meet it, or there will be areas that you enter. Si la vie chrétienne est donc une marche, cela veut dire qu'il y a des choses que vous allez rencontrer, il y a des places ou des domaines dans lesquels vous allez entrer. Does it make sense? Est-ce que vous le comprenez? Now, if you are walking here to Vinkunya, si vous marchez d'ici à Vinkunya, the temperature of Accra is different from the temperature in Vinkunya. La température d'Accra est différente de celle de Vinkunya. Mm-hmm. Oui. Okay, I'll make it simple by God's grace for us to understand. Je le rendrai aussi simple par la grâce de Dieu que nous tous nous puissions le comprendre. Now, where we are going with Christ is a faith walk. Là où nous allons avec Christ, c'est une marche de foi. We have not been there physically. Nous n'avons jamais, nous n'avons pas été là-bas physiquement. Spiritually and inspirationally, you can access it. Spirituellement et dans l'inspiration, vous pouvez y avoir accès. Holy Spirit, help us tonight. Saint-Esprit, aide-nous ce soir. It's not the tangible thing like the way you go to market, the way you go to your class. It's not a tangible thing like that. Ce n'est pas quelque chose de tangible comme quand vous allez au marché ou aller dans un hôpital. And we pray that God will help us in this fasting to explain some realities and vis-à-vis the provision of God, so that you are not just praying, you are taking precaution. You know, to be safe and preserved in this kingdom is easy as drinking water. Vous voyez, être sauvé et préservé dans ce royaume est aussi facile que boire de l'eau. I realize that life is full of or governed with principles. Je vois que la vie est gouvernée par des principes. If you don't want to pee quickly, don't drink water, right? Si vous ne voulez pas faire pipi rapidement, ne buvez pas d'eau. If you don't want to go to toilet, don't eat. Si vous ne voulez pas aller aux toilettes, donc ne mangez pas. No. So if you are walking with God, donc quand vous marchez avec Dieu, you receive God in a place. Vous recevez Dieu à un endroit. Now, Christianity is a life that is taking me to a place. La chrétienté est cette vie qui m'emmène à un endroit. Now, the experiences are not static. They are progressive and they are dynamics in this walk with
Christ. Et les expériences ne sont pas statiques, elles sont progressives et dynamiques dans cette marche avec Christ. In walking with Christ, you can win today and lose tomorrow, or you can lose today and win tomorrow. Marcher avec Christ, c'est du genre vous pouvez gagner aujourd'hui et perdre demain, ou perdre aujourd'hui et gagner demain. All this thing, it depends on the child of God or that Christian. It is not dependent of God. God, Jesus has finished his own. And on the cross, he said, it is finished. Et ce que je viens de dire ne dépend pas de Dieu, mais dépend de l'enfant de Dieu lui-même, car Christ a déjà achevé son œuvre à la croix. The same thing in marriage. La même chose aussi dans le mariage. If you want to enjoy your marriage, it depends on you. Si vous voulez jouir de votre mariage, cela dépend de vous. If you want to enjoy your Christian life, it depends on you. Et si vous voulez jouir de votre vie chrétienne, cela aussi dépend de vous. If you want to have a good relationship with the Lord, it depends on you. Si vous voulez avoir une bonne relation avec le Seigneur, cela dépend de vous. You want to have a certain relationship with your leader, it depends on you. Si vous voulez avoir une certaine relation avec votre leader, cela dépend de vous. You put the principles that require to have an enjoying Christian living. You put it in place. And to work. Et vous mettez en place les principes qui vous va vous amener à jouir de votre vie chrétienne et cela va marcher. Now, so therefore, if you all agree that's the thing, then we need to be very vigilant and what's the English word? We have to be focused. Not focused, intentional. Et donc dans notre vie chrétienne, pour que si on est d'accord sur ce fait, alors pour que notre vie chrétienne marche, il nous faut être vraiment vigilant et intentionnel. Now, some of us or some of you receive Christ 5 years, others 2 years, others 17 years, others the lost count. Certains d'entre vous, vous avez reçu Christ il y a 5 ans, 10 ans, 7 ans, d'autres même ne savent plus jusque quand. Now, when how long that you have been a child of God does not truly matter as how available you are to work with him. Combien d'années avez-vous été enfant de Dieu importe peu à combien disponible vous êtes pour marcher avec lui. This thing I'm saying, are we getting it? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? And that's why I was talking, I said we should forget about I'm a Sunday school teacher, I'm a pastor, I'm a pastor's wife, I'm a pastor myself, I play instrument. Forget about those things. We do those things, one, because we are saved. C'est pourquoi j'ai dit, ce que nous faisons dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, importe peu. On l'a fait parce qu'une fois nous avons été sauvés. Now, servicing or working in the body or in the house of God can deceived you or lead you into error if you are not diligent. Donc votre service ou marcher dans la maison de Dieu ou dans la chrétienté peut vous décevoir si vous n'êtes pas vigilant. It's very important to every individual to separate your services in the church, your services in the body of Christ vis-à-vis your responsibility as a child of God, because there are two things different. Et donc il faut faire la part des choses entre votre service dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, et votre responsabilité, parce que deux choses sont ici impliquées. Now, let's say to come and teach this evening, I must read some scriptures. Voyons, pour que je vienne enseigner ce soir, il m'a fallu lire quelques écritures. That can never be my Christian requirement. That is a service requirement. If I live on service requirement that I'm living Christian life, very soon I'll sink. Et cela n'est pas ma vie chrétienne. Donc si je remplace cela étant ma vie chrétienne, très bientôt je vais me noyer. Does it make sense? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Because service in the body of Christ or in the church or in the local church is visible. People can see it. So we prepare to that. We want to wear a dress. We want to comb our head in a certain way. We want to use a certain word to step people, like prayer, to step people to pray. Donc notre service dans l'église, par exemple, est visible. On se prépare à cela. Par exemple, on t'a dit de venir, comment on dit, études bibliques. For instance, you have been told to come and do Bible study.
Tu vas voir que quand on t'appelle pour faire l'étude biblique, c'est là que la personne est en train de fouiller la Bible. You see that when you have been called to do the Bible study, it's that moment you are flipping your Bible. Now, cette personne fait ça parce qu'il doit aller servir. This person is doing it that because he's going to serve. Ça est différent de d'avoir une dévotion personnelle d'étudier la Bible sans aller enseigner. Tu te nourris toi-même. It's different of having a personal devotion without learning the word of God to go and teach. You are feeding yourself. Because even with preaching and teaching, if you are only teaching, you are not hearing. Very soon, you will be worshiping the devil. Si même dans l'enseignement et la prédication, si vous prêchez, enseignez seulement sans toutefois écouter, bientôt vous serez adorateur du diable. And even whoever is hearing, we need to be reminded. We need to be reminded. Même quand on entend ou quand on écoute, il nous faut être rappelé. On doit le rappeler. You need to hear it again and again. Most of the time, we come with topics. These are not unusual topics. You know it. But when you hear it again, like, hey, this practice I've left to, so quickly, you hold it back again. Et ce sont pas des sujets assez banals ou bizarres, mais quand vous les entendez, vous vous rappelez pour dire, en fait, telle ou telle pratique, je l'ai abandonnée, il me faut y retourner. You know those old songs that you sing in Sunday school, when you are not singing it, the day you remember to sing them, you sing by you, the words, this thing. Voyez ces chansons qu'on chantait à l'école du dimanche quand vous les avez abandonnées. Le jour où vous voulez les rechanter, vous vous rendez compte que les paroles, vous les avez oubliées. So, Christian life is a walking one. Donc, la vie chrétienne est une vie de marche. The Christian walk. La marche chrétienne. Christian walk have a lot of issues. La marche chrétienne a beaucoup de problèmes. And as I was saying, you can start well and end badly. Comme je le disais, vous pouvez bien commencer et terminer mal. And that's why we must not be complacent. Et c'est pourquoi il ne faut pas nous complaire. Now, you know, we to truly walk with the Lord, you can't be celebrating always. Alors, pour marcher véritablement avec le Seigneur, vous ne pouvez pas tout le temps célébrer. There are things that bring joy to you, and quickly you must be focused. Il y a des choses qui vous apportent la joie, mais rapidement il faut vous ressaisir pour être focalisé. When I had my vision on the narrow way, you cannot be distracted. Quand j'ai eu cette vision de chemin étroit, alors je ne peux pas être distrait. When I was able to make a step on the narrow way, there was a joy I can never explain. Quand j'ai été capable de faire un pas sur le chemin étroit, il y a une joie inexplicable que j'avais. Now, even though I couldn't explain that joy. In the twinkling of an eye, I must forget that there was a joy and there's something that I've achieved and focus because the journey is still long. Même avec cette joie que j'avais, m'a fallu rapidement me ressaisir pour dire que le voyage est long. We were praying one day. I knelt down some years ago when the church was at Mekong land there. Un moment là où l'église était, j'étais à genoux en train de prier. When I knelt down, I saw the Lord. I believe I saw him according to my knowledge who can capture him. Alors selon mes connaissances de le reconnaître, je crois l'avoir vu. He embraced me. Il m'a embrassé. Why he embraced me, I still see him far away from me. Mais quand il m'a embrassé, bien même cela, je le voyais en aussi loin de moi. It means that. Cela veut dire. And I embrace you. Now, when I saw him there, he was not doing like this. He's standing. You must come. C'est vrai que je l'ai embrassé, mais quand je l'ai vu loin, je ne le voyais pas en train de m'embrasser. Il était en train d'arrêter et en train de me dire, viens. So there was an old song in Ghana said, "Nyamisun pa apini womu enuna fasu osu." How do you explain that in English? There's pain in it, but all the same, there's also benefit in it. Donc, marcher ou adorer bien Christ, il y a de la douleur, mais tout de même, il y a aussi des bénéfices. People are not composing good songs again. No? Les gens ne composent plus de bons cantiques encore. Look at the song. Vous même voyez ces cantiques. Nyamisumpa apini womo enuna fosu oso.
Merci. Give her the microphone. Nyame sumpa apini womu enuna mfaso osoa. So if you are not seeing apini, you are not sumpa. Apini womu enuna mfaso osoa. Obia ni wa osumuia wamane ni maguasi. Enti nyame srawani se shemimo. Missa mechin kon kwa sumbiem and the pebiani mechibiem ay e biene ya missa mechia kwe bipone ne ya na uba adia be mi apane se uma simi se wunim mi edano etini emisre wani se shemimo Missa mechin kon kwa sumbiem and the pebiani Chibiem ai e piene ya mi koipo nene ya na wupa adia be mi apani se obasi mi se wunimi edano etini ya misre wani se shemimo nyami sumpa apini wamo enona mfasu wasua nyami sumpa Apini wamo enona mfasu waso pia ni wasomu ya wamane nimeguwasie enti ni amisre wanise shemimo nyame sumpa apini wamo enona mfasu waso nyame sumpa apini wamo enona mfasu waso Obiani wa sumuia kwa mane nimeguwasie eti ni amesema nise shemimo. So serving God in truth, the songwriter said, there is pain in it, but also there is a lot of benefit. Donc servir Dieu en vérité, l'auteur du cantique dit il y a des douleurs dedans, mais c'est là aussi qu'il y a beaucoup de bénéfices. The Ghanaian that drove to, is it England or where? England. Les Ghanéens qui ont conduit d'ici en Angleterre. I saw one of their interview, is it with BBC? J'ai vu l'une de leurs interviews avec BBC ou. And they say, well, they are not the first people to travel, but one of the things that helped them because they asked. Question. People who has done it before, they ask question. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les premiers à faire ce genre de voyage. C'est ce qui les a aidés, c'est qu'ils ont se sont renseignés auprès de ceux qui avaient fait cela avant eux. It means that the people that give them the information how to drive from Ghana to London give them the true information, the things that are on the way. You drive across the Sahara, you go through a desert, you pass here. They told them. When you are here, you can't sleep here. This is dangerous. Make sure that you get to a city. All these things are part of their success to drive from Ghana to England. The same thing Christ have not. The Bible didn't hide anything from us. The Bible tells us about the suffering of Christ. It tells us about the devil. It tells us of the blessings. All these things were exposed. And if they are exposed, you know them, you will not be shocked and you will not be discouraged. And discouragement actually is a sign that you are novice or you are not taking things seriously. Et donc cela veut dire que ceux qui les ont informés leur ont donné tous les détails nécessaires au succès de leur voyage. En est-il de même aussi pour la vie chrétienne? La Bible n'a rien caché, tout est ouvert, tout est écrit, les joies, les bénédictions. Et donc celui qui les applique ainsi aussi arrivera à bon port. Now, Christian life is not butter and bread. La vie chrétienne n'est pas du pain et du beurre. And this truth must be revealed to all of us. Et cette vérité doit être dite à nous tous. There are times you look for God and look for him before you see him. Par moment, vous faut chercher Dieu, le chercher avant même de le voir. I told you the story of this man that had a vision with the Lord. Je vous ai parlé de cet homme qui a une vision avec le Seigneur. And saw the Lord, he was walking on the seaside with the Lord. Il marchait au bord de la mer avec le Seigneur. In the vision, he saw his footprint and saw that of the Lord also. So it's a vision. He said, okay, yeah,
Donc quand il a vu les traces de ses pieds, il a vu celle aussi du Seigneur, il a dit oui, je marche avec le Seigneur. Vision, finally, he read that the footprints became only one. Et finalement, il a vu que les traces de pieds sont devenues uniques. So he started talking. Il a commencé donc à parler. You have left me again. Tu m'as encore abandonné. You have left me again. Tu m'as encore abandonné. You were walking with me. I can see your leg beside me. Tu marchais avec moi. Je pouvais voir les traces des pieds auprès de moi. They allow him to talk. Normally, the Lord will allow you to say your nonsense. Normalement, Dieu, dans ce cas, il va toujours vous laisser dire vos n'importe quoi. When he finished, quand il a fini, they say, watch the footprints well. Quand il a fini, on dit, regarde bien les traces, see, les traces de pieds. Footprint was not your leg. Il dit, ces traces de pieds n'étaient pas pour toi. The Lord said it was his leg. Le Seigneur lui a dit, c'était lui ses pieds. Say, at that time you are not seeing the other footprint. I'll carry you in my arms. Il dit, en ce moment tu ne vois pas les autres traces de pieds parce que toi j'étais porté dans mes mains. Because of what is coming. À cause de ce qui est en train de venir. Now, so people call it ups and down. Les gens appellent ça les hauts et les bas. And this element of maturity that the Holy Spirit leads us into demand that we face these things. Et donc ces éléments de maturité qui nous est demandé, c'est que nous devons faire face à ces choses. All of us, when you receive Christ or even holiness, you receive it newly. Most of us, the Holy Spirit were showering visions on us, you know. Et la plupart d'entre nous, quand on a reçu Christ et même la sanctification, vraiment, on était bien insensé. Le Saint-Esprit pouvait nous donner tant de visions. You saw yourself eating apple with the Lord. Vous voyez en train de manger de la pomme avec le Seigneur. You know, as for you, that's where, if you are not careful, pride comes. Et c'est là, si vous ne faites pas attention, l'orgueil va vous prendre. For you, you think you have reached heaven already. Pour vous, vous pensez que vous êtes déjà au ciel. You know, you are there, you have a dream. When a lion is coming on you, there's another lion. White lion will say ah, and other lion run away. When you get out, you yourself you say yeah. Comme des songes où dans lesquels tu le trouves. Il y a un lion qui marche avec toi. Quand les autres lions viennent, lui il rugit, les autres fuient. Quand tu te réveilles, tu dis oui, moi je suis la fille de Sion. When you receive holiness, when you needed a shoe, a dress, when you say ah, my father. Quand on a reçu la sanctification, tu avais besoin d'un habit ou une chaussure, tu pries par mon and père, God mon will père. Answer, my daughter. Dieu va te répondre, ma fille. People can dash you heroes and dollars. Les gens peuvent vous faire cadeau des héros et des dollars. You know, it's you that enjoying. Et c'est vous qui êtes en train d'en jouir. But the maturity demands that God will push you. He will withdraw it from you and push you. Et la maturité demande que Dieu va vous retirer cela et il va vous pousser. Yes. Oui. When you pray before a prophet come, you hear God yourself, you hear him. Et quand vous priez avant même qu'un prophète ne vienne, vous-même vous entendez Dieu clairement. Eh? Like, oui. You God call your name Razak. Dieu vous appelle par votre nom. Ma frère. Dit Razak, je mentionne ton nom et je t'appelle. You know, you hear your name. Tu entends ton nom. But mais as you keep that relationship, a time will come you can't hear again. Et comme vous maintenez cette relation, un temps viendra où it's vous not n'allez that plus you entendre. Have seen. Ce n'est pas que vous ayez péché. He wants you to trust him. Il veut que vous lui fassiez confiance. And these are the things that this week, by the grace of God, we will observe so that you know that God have not left me. But God demand that I grow or I be matured. Et donc ce sont ces choses que nous avons traitées durant toutes ces semaines pour que vous rendez compte que Dieu ne m'a pas abandonné, mais il a voulu que j'apprenne ces choses. When you are leaving house, you don't have money to come to church because of first love. You say you are walking. While you are walking, by the time you get to the cave there, somebody that you don't know from anywhere, they say hello, are you going my way? And the person was actually coming to Nama, the church area. When you get out of the car, say, God, I love you. Et donc, comme vous devez venir à l'église, vous dites, comme il n'y a pas d'argent, non, je marche à cause de votre premier amour. Et en arrivant à une certaine distance, quelqu'un vous dit, allô, vous allez où? Et vous montez, la personne vient exactement dans les environs de l'église. Quand vous descendez, vous dites, Dieu, tu es un amour. Je and when t'aime. It's like that, you yourself, you are walking and whistling. Quand c'est comme ça, tu marches et tu siffles. What a mighty God we serve, and you do it. Oh, quel Dieu merveilleux puissant nous servons. Et tu siffles ça.
When you come to church, you are saying shalom, shalom to everybody. Quand tu viens à l'église, tu salues le mot shalom. Like you are using sword. Tu fais shalom comme si tu étais en train de manier l'épée. This one, why you don't have money? That's where they splash water on your dress. Mais à ce niveau-là, il y a pas d'argent et tu mailles, c'est là qu'on te clabousse avec God l'eau. To maturity, God allows you to walk and they splash water on you. Dans l'appel à la maturité, Dieu vous demande à vous appelle à marcher qu'on vous éclabousse avec de l'eau sale en plus. And when you came to church, instead of Pastor Sami knowing that you've tried and walked, he said, ah, why did you come late? He have car. You that walk is telling you that why do you come? You look at it say, if it's not this heavy thing. Alors donc dans ce niveau quand tu viens à l'église, ton pasteur Sami te dit mais il n'a pas vu les efforts, il dit mais pourquoi tu es venu en retard? Or lui la voiture. Quand c'est comme ça, c'est là tu dis si c'est pas fait d'aller au ciel, c'est qu'il allait te monter. God is watching how you act. Et tout ça Dieu est en train de vous observer pour voir comment vous allez réagir. And after all that, the pastor say you are late, you walk and came, you are going home also, your phone too. I'm Robert's snatching from. Dans ça encore, quelqu'un dit tu es en retard, tu as supporté, tu retournes à la maison encore ton téléphone, quelqu'un te l'arrache, voleur. Now, they couldn't get you. Et on peut pas te joindre. That was Wednesday the thing happened. Et c'est mercredi que la chose arrive. Sunday you came. Dimanche tu viens. I said, bah, why were you were calling you are you know the people you just watching it. These people should not insult them all. Et c'est là tu viens dire, on dit, mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? On t'appelle partout, tu réponds pas, il y a quoi? C'est là tu dis cela, je dois les insulter ou bien qu'est-ce que je dois faire? Now, if you are not careful, et donc, si vous ne faites pas attention at that point, à ce moment, God is pruning you, pendant que Dieu est en train de vous pousser, you say, no, God have abandoned you. Et tu dis que Dieu, est en, Dieu m'a abandonné. Which kind of family I have? Et tu te demandes, mais dans quelle famille je me trouve? You think, you must, the problem is the people and God. Et toi, tu penses que le problème, c'est les gens et Dieu. And that's why people are still in class one. C'est pourquoi les gens sont encore à la première classe. Because we don't know that certain behavior is pruning and God is pushing you. Vous ne savez pas que certains caractères sont une promotion. Dieu est en train de vous faire avancer. So when James wants to talk about this thing, he said, count it all joy when you go through diverse trials or temptation. C'est pourquoi Jacques a dit soyez heureux quand vous passez par toutes sortes de tribulations et de tentations. I know a lady in la Côte d'Ivoire. Je connais une fille en Côte d'Ivoire. Got a man. Qui a eu un homme. The day of the engagement, the man didn't appear. Le jour de la dot, l'homme là n'est pas venu. The Frenchman will say, oh là là. Le Français va dire oh là là. It's not a film. Dommage, c'est pas un film. People come from village. Les gens sont venus du village. Down. Les anciens sont même assis. We are waiting for the man and his family. On attend le frère et sa famille. Regardez Sabari, disappointed. Ils sont pas venus. La déception. Now, walking with God, there are things that come on you that you didn't plan for and you have nothing to sponsor that to come to you. Marcher avec Dieu, il y a certaines choses dont vous n'avez pas planifié qui vous arrivent et vous n'avez rien d'autre pour pouvoir les contenir. The good example was Mr. Job. Le bon exemple était Monsieur Job. Who would like us to call you Job? Qui aimerait que je... Is there any sister would like to marry brother Job? Est-ce qu'il y a une sœur qui voudrait marier le frère Job? People would like to marry his restore life, no. Les gens aimeraient marier Job dans sa vie restaurée, pas dans sa vie de. Now, when we read Job chapter 1, the verse 1, the Bible said there was a man in the land of Uz. En Job chapitre 1 verset 1, la Bible dit il y avait un au pays d'Uz un homme. Whose name was Job? Appelé Job. Remember the name is Job, not Job. Le nom c'est Job. Now. And that man was perfect and upright. Cet homme était intègre et droit. Now what does that mean? It means that this man was having a perfect walk with the Lord. Cela veut dire que cet homme avait une marche parfaite avec le Seigneur. And one that feared God and shunned evil. Et celui qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. And the Bible continues in the verse 2 to give you the fruits or the blessings that come with walking in perfect
way with the Lord. Et donc le verset 2 va vous donner les fruits ou les bénédictions qui viennent dans, du fait de bien marcher avec and le Seigneur. And there was born unto him 7 sons and 3 daughters. Et il avait 7 fils et 3 filles. Now from woman being, the Bible is going to the riches and the benefit of walking with the Lord in truth. Et pour les êtres humains, donc la Bible va dans les bénéfices qu'il y a dans marcher avec Dieu. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 she asses and very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. Et le verset 3 dit, de plus ces troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Ils possédaient et aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'est du Jourdain. Is walking with the Lord doesn't stay with him, he also affect his children. Sa marche avec le Seigneur n'est pas restée avec lui, ça a aussi affecté ses enfants. So the verse 4 said, and his sons went and feasted in their houses, and you know, every day there's joy around because the father is a godly man. Et donc la Bible, au verset 4, la Bible dit que ses fils avaient chaque fois des célébrations parce que leur père était un homme pieux. And when you read on till the verse number 6, Job's first test. Quand vous lisez au fur et à mesure au verset 6, vous vous rencontrez là le the premier Bible test said, de now, there was the day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Oh, un jour les fils de Dieu se réunissaient dans le conseil de l'Éternel. And God asked, no, the Bible says, and Satan also came among them. Et la Bible dit que Satan aussi est venu parmi eux. And the Lord said to Satan, le Seigneur dit à Satan, hence come thou. D'où viens-tu donc? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth and from walking up and down in it. Donc le Satan répond à Dieu et dit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Now Job, when he received the Lord, he have a lot of pleasure, leisure, things were going on for him, the walk with the Lord. Quand Job a reçu le Seigneur, beaucoup de réjouissance et les choses marchaient pour lui. La if he plant the thing, the thing will grow because après a sacrifice. Parce que quand il plante quelque chose, ça pousse bien parce qu'il y a des sacrifices. Il a prié. I had a good job. J'ai un bon travail. I have opportunity to travel. J'ai l'opportunité de voyager. Job, when he's doing business, business flourish for him. Quand Job fait des affaires, les affaires marchent pour lui. He has never been poor in his life. God just flourished things on him. Il n'a jamais été pauvre dans sa vie. Dieu n'a fait que fleurir les choses sur lui. And all that things were moving well. Et dans tout ça, tout se passait bien. Now verse 8. Au verset 8. God, and the Lord said to Satan. Et l'Éternel demanda à Satan. Hast thou considered my servant Job? Not the sinner Job, my servant Job. Have thou il lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, pas le pécheur Job, mais mon serviteur. And said, there is none God, this God, not a man, not his wife. God said, there's none like him in the earth. Et wow. Là, c'est Dieu qui rend témoignage, pas sa femme. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. And God said, a perfect and upright man. Et Dieu dit, c'est un homme intègre et droit. One that fear God and show evil. Un homme qui révèle Dieu et qui évite de faire le mal. Somebody say gangam. Quelqu'un dit gangam. Your walking with the Lord will lead you to test. Votre marche avec le Seigneur vous conduira à des épreuves. Your walking with the Lord will always allow God to push you. You know, you cannot walk with the Lord and be in the same frequency. Vous savez, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et être à la même fréquence, au même niveau. Non. You'll be tested and proved. Vous serez éprouvé, vous serez testé. It was God that asked the devil, have you considered him? C'est Dieu qui a demandé au diable, as-tu remarqué mon serviteur? And you know the devil, he considered him long time, just he didn't have opportunity. Le diable, lui, il y a longtemps, il l'observe, c'est parce qu'il n'a pas eu opportunité. Job that was working with God, things were going well. Now
his own father, God that is everywhere, is giving opportunity to Satan to come to try. Job qui marchait avec Dieu, tout se passait bien. Maintenant, son père qui l'adore, qui sait dans l'intégrité, est en train de discuter avec Satan le concernant. You know, when the Bible says there's no temptation tempting you that you cannot overcome, what we should be learning from that thing is that God will be tempting us once in a while. Quand la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui, il n'y a aucune épreuve qui soit au-delà de nos forces, cela veut dire qu'un jour Dieu viendra nous éprouver. Pas un jour, parfois, intermédiairement, si c'est un français, parfois, tu es en train d'avancer dans la vie chrétienne you calmement. Are moving, going the Christian life quietly, and God will come and try you. Tu as gagné ta vie de prière. You get your prayer life. Tu n'es pas dans les choses. You are not into things. Tu médites très bien. You read your Bible. You meditate well. Et maintenant Dieu dit ok c'est bon. And one day God said well that's good. Il va appeler un démon là-bas. Il faut voir ma fille Michelle. Go one demon say take a look at my daughter Michelle. Et tu sais pas que c'est Dieu. And you don't know that it's the Lord. Parce que lui va pas te téléphoner pour dire que j'envoie quelqu'un faire attention. Because he will not call you on phone to say I'm sending someone. Be Dieu, careful. Il est juste. God because is righteous. God is righteous. So at this point, where you are now, what has happened to you? En ce moment de là où vous trouvez, qu'est-ce qui vous est arrivé? In this your walk with God. Dans votre marche avec Dieu. Do you know that when we are going to testing time, we forgot that there's something like that? Vous savez quand on passe par les épreuves, on oublie qu'il y a quelque chose du genre. Yes. Oui. It's not only for pastors, so everybody there inside. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, tout le monde y est compris. They only come to church, I sweep the church. You are even attracted to the devil. You sweep the church. Alors moi, je ne fais que venir à l'église balayer. Toi-même là, tu attires le diable, même toi qui balayes. Oh, Adamia, I will just come to church. Si tel est le cas, alors. I give my offering. Je viens à l'église, je donne my tithe. Je paye ma dîme. I'll go home. The devil, I don't want any trouble from him. Je vais aller à la maison parce que le diable, je veux pas problème even avec that lui. One already shows that he have you. Même cela montre déjà que le diable t'a déjà eu. That mentality shows that the devil have you. Cette mentalité déjà montre que le diable est dans ta tête. Il mange là-bas. How to walk with the Lord. Comment marcher avec le Seigneur? Now, write this thing down. Écrivez ceci. We cannot talk about the Christian walk or how to walk with the Lord if you have not started with him. Nous ne pouvons pas parler de la marche chrétienne ou comment marcher avec le Seigneur sans avoir commencé avec lui. And that was starting with him that have to be if you don't have a relationship with him. Et le mot commencer avec lui veut dire si vous n'avez pas de relation avec lui. You know, the old folks when they say they are in the relationship with a sister or a brother, they say they are walk. Les Français disent, ils sont en train de cheminer, n'est-ce pas? Donc, quand les anciens sont en relation avec une soeur ou un frère, ils disent, si tu es une soeur, ils disent, nous cheminons. On est dans le cheminement. Oh, the English say we are in the relationship. Mais l'anglophone dit qu'on est en relation. Non. If you don't have a starting relationship with Christ, you cannot walk with him. Si vous n'avez pas un début de relation avec Dieu, vous ne pouvez pas marcher avec lui. Many people don't have a relationship with God. Beaucoup de gens n'ont pas de relation avec Dieu. We can only talk about walking with the Lord when our relationship with him has been confirmed. Nous pouvons seulement parler du fait que nous marchons avec Dieu quand notre relation avec lui est confirmée. Many people are in church but they are not in Christ. Beaucoup de gens sont dans l'église mais ils ne sont pas en Christ. Oh yeah. Oh oui. You see, normally, before a word of God come and correct you, your relationship with Christ should correct you. Normalement, avant que la parole de Dieu vienne vous corriger, votre relation avec Christ doit pouvoir vous corriger avant. Every relationship have three things that bind it. Toute relation a trois choses qui les lient. The life of the relationship. La vie de la relation. Commandment
of the relationship. Can two walk together, accept, they agree? Ou le commandement de la relation qui dit, est-ce que deux peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? There is the promise of the relationship. This relationship will give us this. Il y a la promesse de la relation pour dire cette relation nous donne ceci, nous donnera ceci. We have what we call the seal of the relationship. Nous avons ce que nous appelons le sceau de la relation, you le can tampon. Also call it the agreement of the relationship. Ou on peut appeler cela l'accord de la relation. Now, if you want to walk with Christ, you must take the first step. Si vous voulez marcher avec Christ, il vous faut faire le premier pas. Is he your Lord? Est-il votre Seigneur? The word Lord means master. Le mot Seigneur veut dire maître. Now, if I have a master, I'm a subject to the master. Now, everybody that called Jesus my Lord, everybody that called the Lord Jesus my Lord must not call him by words, but in attitude you must be submissive or submitted to him. Toute personne qui dit de Jésus mon Seigneur n'est pas seulement dans les paroles, mais vous devez lui être soumis. So before a brother and sister or somebody can come and correct you, that your relationship, life or agreement should be correcting you that that's not our deal. We don't talk this way, we don't act this way. Avant qu'un frère et une sœur vienne vous corriger, normalement l'accord qu'il y a dans votre relation avec le Seigneur doit pouvoir vous dire ce n'est pas comme ça on parle dans notre relation, ce n'est pas the lifestyle of you being in a relationship with Christ, you must know it. Votre mode de vie pour vous être en relation avec Christ, vous devez le connaître. I don't know about you, but if you want to be sincere tonight, a child of God does not do something that is outside God's will without knowing. At times we are just stubborn. Je sais pas pour vous, mais un enfant de Dieu ne peut pas faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu sans le savoir. Ce qui se passe, c'est que souvent nous sommes têtus. Now, one of the things in a relationship with the Lord is respecting. L'une des choses dans la relation avec le Seigneur est le respect. You have to respect him. Il faut le respecter. Another word from respecting it to honor. L'autre him. Mot de respect, c'est de l'honorer. I know people are tired, so I will not stretch it tonight. Parce que les gens sont fatigués, donc je vais pas trop tirer sur la corde. This is very important to where God is sending us to. Cela est très très important pour là où Dieu nous envoie. Because the end-time Christians must know this elementary truth. Parce que les chrétiens de la fin des temps doivent connaître cette vérité élémentaire. There are people that you will be proving, you will be like they told Mary that there will be an arrow to your heart. I don't know what's the actual word they use there. The angel say, thou are favored, blah 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 blah. I say, because of this charge, you are a sword will pierce your heart. Et comme vous, beaucoup de gens dans la vie chrétienne, vous serez éprouvés. C'est comme ce qui a été dit à Marie. Oui, tu es béni, tu es favorisé, mais cet enfant sera comme une épée dans ton cœur qui transperce ton cœur. Tu auras une douleur parce que tu as la maman de la personne. C'est toi que Dieu a utilisé. You have a pain because God have used you to be the mother of this man. Normalement, on devait dire, Seigneur, si c'est ton travail, pourquoi je dois avoir la douleur? Normally, we are supposed to say, Lord, if this is your way, why should I go through pain? Et c'est a sword pierce through your heart. Il dit, une épée transpercera ton cœur. Men of God. Les hommes de Dieu. There's a sword. Il y a une épée. That is not from the devil. Qui ne vient pas du diable. Go through your heart. Qui va passer par transpercer votre cœur. May God give us a new stature to our Christian relationship. Que Dieu nous donne une nouvelle statue à notre relation chrétienne.
that you are firm like an ancient stone. Vous êtes ferme comme un rocher ancien. Unmovable. Indéboulonnable. We are getting to those realms that you know that you know that you are permanently and sticking with him. Nous arrivons à ce niveau où vous savez que vous êtes permanemment lié, tamponné avec lui. That the things that should discourage you or has discouraged you before can never do it again. Ou les choses qui vous ont découragé avant ne peuvent plus le faire encore. Like Paul said, I know how to abound and I know how to abase. C'est comme Paul a dit, je sais comment être dans la disette, je sais comment être dans l'abondance. I know how to be in abundance and I know how to be in dryness. Je sais comment être dans la disette et être dans l'abondance. That you yourself, you go around, you tell another that food and drink cannot discourage you. Vous-même, après avoir signonné, vous dites non. La nourriture et la boisson ne peuvent pas me discourager. Like Shadrach, Meshach, Abednego say, we know it delivers. But oh king, in case we call Yahweh and he didn't respond, we have not failed. We are ready to be bent. Comme Shadrach et Meshach ont dit, nous savons qu'il nous délivrera. Mais même si on invoque Yahvé qui ne répond pas, pour nous, on n'a pas échoué. Nous sommes prêts à mourir. People of God, these 21 days, don't take these 21 days teachings and prayers for granted. God is, you know, some of you know cars. Once in a while, they carry the car to garage. You know, they will remove this part and refix it well, or they tighten it well, That's what the Lord will do with us. Et donc l'homme de Dieu dit que ces 21 jours ne les prenez pas pour acquis. C'est comme un véhicule qu'on va chaque fois faire la maintenance, enlever ceci, remplacer, fixer bien. The word of God, if you allow it, it will give you the result. Et c'est ce qui va se passer pendant ces 21 jours. Et si vous permettez la parole de Dieu, il aura des résultats. Conducive atmosphere to the word of God, it will bear fruit. Si vous donnez une atmosphère conductive à la parole de Dieu, vous porterez des fruits. Yesterday, Prince, this guy, what's his name là? Joseph, he said he found Apple phone. Il y a le frère Joseph dit qu'il a trouvé un téléphone iPhone. He said he saw the thing I put it in the pocket. Nobody know. Il dit il a vu mais il a mis ça dans sa poche et personne ne savait. And when they get to the house, quand ils sont arrivés à la maison, he went to the bathroom, il est allé dans la chambre, he said, dans la douche. Il dit, he doesn't have phone. Il dit lui n'a pas de téléphone. He didn't go and steal. Il n'est pas allé voler. He saw it on the road or somewhere. Il a vu ça sur une route ou quelque part. But he said while he was thinking, he said that my preachings were coming to him. Il dit pendant qu'il pensait, il réfléchissait, mes prédications lui revenaient. He go to the mirror and look at his face. Il est allé devant le miroir, il a regardé lui-même son propre visage. The preachings were coming. Les prédications venaient. He said he didn't even tell Kenneth. Il dit n'a rien dit à Kenneth. So he had to go to Apostle Kingsley. Il est allé vers Apostle Kingsley. Even that one, not telling Kenneth, it's a message I have. Sans dire, rien dit à Kenneth, c'est un message que j'ai reçu. And when we Kingsley have to charge the phone and the owner call, they directed him to come. The person came also. He said the person was not a serious person. He was bizarre. Came with a car, some hair, some way like ah. Il dit aussi ils ont dû charger le téléphone. Le propriétaire a appelé et quand même il est venu aussi un homme bizarre. So the guy wanted their number to give money. Kingsley said, no, we don't want your money. Take your phone. Et le frère dit, il voulait leur numéro pour leur donner de l'argent, faire un transfert. Il dit, on ne veut pas prendre ton téléphone. Finish, the devil starts insulting him. Il dit, quand tout ça est fini, là, le diable a commencé à l'insulter. You are fool. Toi, tu es fou. The devil now is preaching. Opportunity come once. Le diable est en train de prêcher. C'est que les opportunités viennent une seule fois. Now, Christian walk, you know that sign? Vous connaissez ce côté là de la marche chrétienne? Is battling not to regret the good deed. He said somebody have to tell him that you did a good thing. Oh. Il luttait pour ne pas regretter la bonne action qu'il a Because fait. Donc, il a fallu quelqu'un lui dire tu as bien yes, fait. The person who received his phone is as though you have not given the phone. Parce que si tu regrettes, oui, la personne a reçu son téléphone, c'est comme si toi tu n'avais jamais you restitué. Are destroying the blessing of giving what belongs to Caesar to Caesar. C'est ainsi que tu détruis la bénédiction d'avoir donné ce qui appartient à César. Now there are principles in that time
While walking with God, that thing happened to you. The principles is to raise a Zionist song. Et il y a des principes qui gouvernent là. Quand ce temps arrive, c'est de pouvoir chanter un cantique de Sion. When you have done a good thing and the devil is blasting your mind, you know that blasting, the devil, you give the thing already. What he was doing, the blessing of giving the phone, he wants to steal it away from you. Ce que le diable fait, tu as donné. Mais pour, la raison pour laquelle il est en train de taper sur tes nerfs, c'est que les bénédictions de la bonne action, il veut voler ça. Alors sois sage. Have you given something important to somebody and the person didn't behave like he was important? In your mind, you are in war. You are watching. Should I jump on him and take my thing? L'homme de Dieu demande, avez-vous donné quelque chose God will talk to us. D'important à quelqu'un, la personne se comporte mal. Et dans vos pensées, c'est, je dois lui arracher. L'homme de Dieu dit, la marche chrétienne. Très important. The way you suffer before you give the thing, you give the thing to the person 2 years now. You have never saw him wearing it. De la manière dont il a souffert pour lui donner même la chose. 2 ans, la personne n'a jamais porté. And for you to see the thing, you see on somebody you didn't intend blessing. You ask yourself. Finalement, vous voyez ça sur quelqu'un que vous n'avez pas eu l'intention de bénir avec. What that means is that the devil wants to see you do a good thing, but the devil will not rest. Vous savez, vous avez fait une bonne chose. Comme le diable ne se reposera pas, la bonne chose que vous avez fait, il veut gâter les bénédictions de ça. I told you a story of one of a church member here. Je vous ai donné l'histoire d'un membre d'église ici. Those days, Barbara was working in Tigo or somewhere. I went to him and help this brother, get him a job. Barbara était dans une entreprise. Je suis allé vers lui pour dire, aide ce frère, trouve-lui du travail. Barbara told me those days, pastor, church people's working there. Ce temps, elle m'a dit, le travail avec les gens de l'église là. I took bullets for this guy. J'ai pris des balles perdues pour lui. Baba got him a job. Finalement, elle lui a obtenu le travail. Somebody clap for the Seigneur Jésus. Now listen. Écoutez. After the guy got a job. Après qu'il a obtenu le travail. One day I was there, the guy came to me. Un jour, là, il est venu vers moi. C'est Pasteur Philippe. Le Pasteur Philippe. Sister Barbara. La sœur Barbara. She tried. Elle a fait faux. I was tempted to tell him that, you know, be here. Not me. You know. J'étais tenté de lui dire, c'est pas elle, hein, c'est moi qui ai fait. Because she was no, Pastor, I'm sorry for the church people. Les gens d'église là, elle était prudente. But the guy came. Mais le frère est venu vers moi. You know, and if I say it one, the blessings spiritually are losing. Si j'avais dit ça net, les bénédictions spirituellement, j'allais les perdre. Walking the Christian walk, these are the small, small things the devil do to steal. La marche chrétienne, voici les petites choses que le diable fait pour nous voler nos bénédictions. The Bible says when men sleep. La Bible dit pendant que les hommes dormaient. The devil is not trying you when you are vigilant. Le diable ne vient pas vous tenter quand vous êtes vigilant. Il va vous laisser tranquille. See that love you say you are enjoying your marriage. Voyez l'amour que vous dites vous jouissez de ça dans votre mariage. The devil will come and smell it. Le diable va venir sentir ça. L'odeur. I pray that when he comes to smell you, you should be awake. Je prie que quand il viendra sentir que vous soyez éveillé. Hein? That your Christian life that I thank God I regained my Christian life. La vie chrétienne vous dit, je dis merci à Dieu, j'ai retrouvé ma vie chrétienne. He will just watch you. Il sera là en train de t'observer. He just they watch you like this. Il est là, il dit, ok. Te regarde. And you leave, you will be giving testimony like 3 weeks. Il va te laisser, tu as 3 semaines de témoignage puissant. I was listening to a man of God today. I said, j'écoutais un homme de Dieu aujourd'hui. These pastor Christians apostles. Il dit ces apôtres, you know, de pasteurs chrétiens. They talk like they are God. Ils parlent comme s'ils sont Dieu. He said, if he fast three days dry, God hasn't talked to him. He do it 200 or something, and he was giving, you know, this.
I don't know whether others still consume them, but il dit que quand il fait 3 jours de jeûne, Dieu ne lui parle pas. Mais il doit aller jusqu'à 200. C'est when he went that he get he talk about this angel came. Now they talk about those things. As you ask yourself, are we also children of God? Ces manifestations angéliques, quand on écoute, on se demande, ah, est-ce que nous aussi on est enfants de Dieu même? I say, ah, these people. You know how many people know Jimmy Swaggart? Combien d'entre vous connaissez Jimmy Swaggart, l'évangéliste? Go and read on him. Allez-y lire le concernant. Before those Pastor Chris, avant, you see, me, one of the things is that Pastor Chris, any pastor that copy another pastor, I can know, because when we receive Christ, we were learning, we were drinking from everywhere. Toute personne qui copie un pasteur, je peux le savoir parce que quand on a donné notre vie à Christ, on allait partout. This place, your sources. When I saw the way you decorate your altar, I can tell you that this is from Jimmy Swaggart. Quand je vois, je peux te dire, ta source vient ici. Ton hôtel, il peut dire ça, c'est Jimmy Swaggart, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin. Je peux te dire. There's a man of God called Derek Springs. When I started hearing the Apostle of Christ, I know these people because I've been listening. When I married, that's where I got him. I've been listening from him to know about baptism. It's through Derek Prince. He's a white man. Through him. The first time I heard it, they say there are more than that Christian baptism is different from this thing. I was watching, but I disagree. It's like we are fighting. Donc, je suivais un homme de Dieu appelé Derek Prince. But when you hear, you compare the scriptures. Quand vous les écoutez, vous comparez les écritures. So he took me to Acts chapter 19. Il m'a amené à Acts chapitre 19. He said Paul rebaptized because I was a Catholic boy. So the teachers in Catholic that almost do as it are mazevo, they don't baptize you twice. Catholics. Étant catholique, on nous a dit qu'on ne baptise pas deux fois. Donc so even though I was in Christ, même quand j'étais en Christ, that I say, hey. J'ai dit non, ça là. So he was preaching. He went to the book of Acts chapter 19 that Paul rebaptized. Et il allait dans le livre de Actes 19. Il dit Paul a rebaptisé. C'est alors que j'ai dit. Jimmy Swaggart was a sin preacher. Est un prédicateur contre le péché. And two, he was a music man. He himself can play the keyboard and sing. Il est un musicien. Il peut jouer au piano et chanter. I mean, white man. Je parle d'un homme blanc. Il est de l'Assemblée de Dieu. Evangelist of Assemblies of God. We are here to see one who has been. Jimmy Swaggart is still alive, right? Oui. He's alive. When is that? He's alive. He's still alive. Yes, he's still alive. You know, this is a person that people in the French know him big time. English, Jimmy Swaggart est l'un des plus grands évangélistes qui est sorti de l'Assemblée de Dieu. Les francophones le connaissent, les anglophones le connaissent. He have his own songs. Il a ses propres chansons. But he went to sleep with a prostitute. Mais il allait coucher avec une prostituée. The Christian walk. La marche chrétienne. Let your living water. It's the Jimmy one who sing that song. Que tes vives eaux, c'est chanson de Jimmy Swaggart. Let your Holy Spirit come and take control. Can you imagine that man? He preach fire. Il prêche le feu. Il ne fait pas que chanter seulement. Want to sleep with a prostitute? Il a couché avec une prostituée. The Christian walk, la marche chrétienne. Last time, I was telling one of the pastors, I say, you, be careful. Je disais à un des pasteurs, introduce immorality into your marriage life. Fais attention. I say, we know God will help us, but hate it. Je l'ai dit, je sais que Dieu va nous aider, mais n'introduis pas l'immoralité dans ton foyer. Il faut haïr ça. Hate it. Faut haïr. You know, the Bible says a good father give inheritance to his children. When you say inheritance, it's not always cement
and iron rods. La Bible dit que le père, bon père, laisse un héritage à ses enfants. Is Christ's life. Christ's l'héritage là, ce n'est pas le sable et le ciment, non, mais c'est la vie de Christ. To tell your children that, please, we are human beings, but this sin is not in our life. We don't do it. Dis à vos enfants que on est des êtres humains, mais péché ça là, ça fait pas partie de nos vies. Non. See, if you open that door, you are destroying a generation. Parce que si vous ouvrez cette porte, c'est toute une génération que vous êtes en train de détruire. Yes, God will forgive you. Oui, Dieu va vous pardonner. But you introduce it into your bloodline. Mais vous avez introduit cela dans votre lignée. Say, Lord, have mercy on me. Dis, Seigneur, pitié de moi. So this Christian walk have a lot of things that will confront it. Donc la marche chrétienne a tellement de choses qui vont vous confronter. So this man of God, great Israel, he repented now, but it's not like before. Il est en vie, il s'est repenti, mais il n'est plus comme avant. You see him singing and crying. You know, you see tears like, let your living water. Il chante, flow. Il pleure. His eye flow. De ses easy. Yeux coulent comme ça, des larmes coulent pendant qu'il chante et qu'il prêche. Do you know that the devil is targeting you? Est-ce que vous savez que le diable a fait de vous son objectif? The devil is targeting you. Vous êtes devenu son objectif. Let's be wise. Faisons, soyons sages. Let's be wise. Soyons sages. Anything that is an investment in Christ, the devil wants to take it. Tout ce qui est investissement en Christ, le diable veut le prendre. Let's read one scripture before we leave here. On va lire une écriture avant qu'on quitte ici. Ephesians chapter 4 verse 17. On va lire Ephésiens chapitre 4 verset 17. Tomorrow, by God's grace, we go deeper to the message. Demain, par la grâce de Dieu, nous irons profondément dans le message. Ephésiens chapitre 4 le verset 17 nous dit: voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme des païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Amen. Ephésiens chapitre 4 verset 17. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. If you don't walk the Christian walk, you walk as the Gentile walk. Si vous ne n'avez pas la marche chrétienne, vous aurez la marche des païens. And the Gentile, the Bible said, they walk in the vanity of their mind. Et les païens, la Bible dit qu'ils marchent dans leur pensée vide de sens. Hear me, watch me please. Regardez-moi et écoutez. The most important and precious things we have on this life is our Christian life. La chose la plus importante que nous avons dans cette vie est notre vie chrétienne. Can't lose it for a husband ni a wife. Vous ne pouvez pas la perdre à cause d'un mari ou à cause d'une épouse. Or for job or for a sister or a brother. Vous ne pouvez pas perdre votre vie chrétienne pour un travail, pour un frère ou pour une sœur. And so while she ne ma ou tode ne ma. Ma tuido. Please. You see, I'm not a fool. When I'm preaching, you don't be correcting me. When somebody sing a song, you can decide to sing another way. You have no sin. Quand je prêche, je ne suis pas censé pour que vous me corrigez. Quelqu'un a chanté cette, mais tu peux la chanter d'une autre manière. You can say Mathieu. Mais moi, je décide de le chanter Mathieu. Je fais partie du travail. Christian life, I'm part if you of live the work. Alone for God, si vous laissez votre vie chrétienne pour dire Dieu s'en charge, elle va s'éteindre. It said the fire God has put in me. Normally they sing it that the fire will not quench. Does it quench or it doesn't quench? He said that if you don't repent, I'll remove the candlestick from you. Le and he had decided to sing that the fire that you have set, I will keep it. Machuido. Donc le cantique normalement dit le feu que Dieu a mis en moi, le feu ne va pas s'éteindre.
mais on remarque quand même que le feu s'éteint. Donc moi je dis, le feu que Dieu a mis en moi, je vais bien le garder. Parce qu'il a dit, si tu ne te répands pas, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Donc qui est en train de bien chanter? Entre, le feu ne s'éteindra pas et je le maintiendrai. Je sais ce que je disais. The responsibility of a child of God, if you don't talk about it, la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, si vous n'en parlez pas, il y aura désolation. Oui, il y aura désolation. Last time we were in the house, so I was watching the hill, a lot of houses. I said, hey, God is dangerous, eh? That small thing there, if me as a woman, I know everybody in their house, then I'm powerful. Now God, the whole world, he knows us individually. He has a personal relationship with us. L'homme de Dieu dit, la dernière fois il était chez lui, il regardait la montagne, il voyait les maisons, et puis il dit, waouh, Dieu fait peur. Parce que si moi dans ma maison je peux voir les gens, lui il voit tout le monde dans le monde entier. Et il a une relation personnelle avec chacun. If you are here now, you can know what is happening in your room. People say, hey, Charlie, this guy. Si tu es ici, que tu peux savoir ce qui est en train de se passer dans ta chambre à la maison. Là, on dit, ah, lui là, il est fort, mais Dieu lui sait tout. Time, season, depuis, you know, ages, he know même everything. Lurette, d'âge en âge, il sait tout. Tout. We pray that we will not walk as the Gentiles walk in the vanity of their mind. Nous prions que nous ne marcherons pas comme les païens dans leurs pensées vides de sens. Let the devil not steal you. Que le diable ne vous vole pas. Yes. Oui. Like for instance, why I say today people should eat. Pourquoi est-ce que j'ai dit aujourd'hui manger? To deliver you. Pour vous délivrer. When the people were tired, les gens étaient fatigués. You said we fast. Tu dis, oh, jeûner. The one who even do it, he will do it on bitterness. Même celui qui va jeûner va faire ça dans l'amertume. The one who doesn't do it on bitterness, he will betray all of us and eat. Say, Même celui qui ne va pas faire avec l'amertume va nous trahir, va manger puis dire, et après. I just give one examination to Pastor Sammy. The way he was talking yesterday, nobody should call him to ask permission. I was thinking that when I say people should go and eat, he would not eat. So this evening I say, oh God, what's up? So Pastor, I eat, but not early. In my house, the way he was bold here, nobody should call him. Ja. Donc j'ai fait passer un examen à Pasteur Samy. Hier il parlait que personne ne m'appelle. Donc j'ai dit manger. Aujourd'hui, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé, mais pas tout. So I was thinking when I come, my pastor will tell me that, Pastor, me, I keep it all. Moi, j'ai pensé quand je viendrai, notre pasteur nous dirait que, pasteur, j'ai fait le jeûne. Je l'ai gardé. The Christian walk is not only by prayer, only by giving, by taking the right decision. You must be vigilant. Vigilant. La vie chrétienne, take the right decision. La vie chrétienne n'est pas seulement la prière, les paroles, les données, mais c'est d'être vigilant constamment. Refuse for the devil to see. You see, like the brother give the phone back. When he finish, the devil say you are fool. The devil say look at you. Refusez que le diable se joue de vous, comme le frère qui Anytime a donné le téléphone. Anytime the devil is preaching you, there is something good that he wants to see. Chaque fois que le diable est en train de vous parler, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui veut voler. If you know this thing in this Christian journey, it will be you to go up. Si vous connaissez ces choses dans la vie chrétienne, vous serez en train de monter. Say you will go suffer. Opportunity is only once. Et toi, tu vas souffrir parce que l'opportunité vient une seule fois. I already give the phone. J'ai déjà donné le téléphone. Then why are you insulting me? Pourquoi tu m'insultes? He's insulting because you know that giving the phone and when they didn't take money, they have their reward in heaven. Parce que so the devil wants to spoil that reward. Le diable sait que le fait que vous ayez restitué le téléphone et sans même prendre d'argent de récompense, l'autre récompense est dans le ciel. Le diable lui veut gâter ça en même temps. C'est ça qui importe pour lui. You are somebody who give. Vous êtes quelqu'un qui donne. And one day you give and start talking. Un jour vous avez donné, vous avez commencé no, à parler. No, you didn't even start talking. When you give, the devil is telling you, you know these people, they don't appreciate you. Vous avez donné et puis le diable vient maintenant, il dit, tu as vu?
tout ce que tu fais là, ils n'apprécient pas. You see, they call everybody, they forget to call you. Ouais, ils ont dit le nom de tout le monde, toi, ils n'ont pas dit ton nom, ils t'ont oublié. The fact that for that, the way they forget you shows that your reward is heavy. Le fait qu'on vous ait oublié, cela montre que votre récompense est lourde. I'm waiting for that person. Je m'attends à cette personne. You came here, you clean here, you weed the place, and we came here. We say, hey. We say, hey. Samir has weed here. Samir has weed on here. On va venir, tu as fait. On voit le coin nettoyant, puis on dit, hey, le frère Samir a travaillé there. Et maintenant, tu es là. You just allow because Sami too is not around to say he didn't do it. Donc le frère Sami n'est pas là pour dire c'est pas moi qui ai fait. So we are just calling his name, singing his name. On dit on le loue seulement. On dit ah le frère Sami, mais tu es là. The temptation to say no. La tentation de dire Nami. C'est pas Sami, c'est moi ici. You see when we clap for you like that. You are quand on a applaudi pour toi comme ça. Évolo, c'est fini. Ta bénédiction s'est évaporée comme ça, comme la poudre. Que le vent a soufflé. But if you can have mastery, mais si vous pouvez avoir la maîtrise, and you smile small, et vous êtes en train de sourire seulement. My name is Radio, and just be singing some old song. Et tu es là dans ton silence, tu chantes les vieux cantiques, un vieux cantique. But normally, it's not easy. Mais normalement, c'est pas facile hein, de faire ça comme no, ça. Oh, we find $100,000. In the offering bowl. Who on a trouvé 100 000 dollars dans le panier d'offrande. Mais qui a fait cette offrande? We are calling people's name. On a people's name. You know, there are some names, they are close to dollar. You know that this name can easily carry dollar. Il y a des noms là qui sont près, proches du dollar. On dit, ce nom là, il peut avoir dollar. Lui, il peut avoir they dollar. They say Christian Clay. Dit Christian Clay. And you know that your name rather is Kwakuvi Agbele. Mais ton nom aussi. C'est Kwakuvi Agbele aussi. Who give the, but you qui a donné les 100 000 dollars, mais tu es là, silencieux. If you are not careful, what you do in secret, you start shouting. Si vous ne faites pas attention, ce que vous avez fait dans le secret, vous allez commencer à crier. C'est moi! C'est moi! When the devil start talking to you, quand le diable commence à vous parler, something good around you want to see. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bon autour de vous qui veut vous voler. The Lord bless us. Que le Seigneur nous bénisse. Tomorrow by the grace of God, demain par la grâce de Dieu, we will continue. Nous allons continuer. Tell your brother, tell your sisters, dites à vos frères, à vos sœurs, we are dealing with the topic, the Christian walk. Nous traitons le thème la marche chrétienne. God bless you. Father, in Jesus' name, we thank you tonight. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci ce soir. God, we bless you for what you are doing. Nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. We pray that you perfect our life. Nous prions que tu parfaites nos we vies. Pray that you establish us in glory. Que tu nous établisses dans la gloire. We pray that you do a new thing in our walk with you. Et que tu fasses une nouvelle chose dans notre marche Lord, avec toi. Help us. Seigneur, aide-nous. Jesus, help us. Jésus, aide-nous. In Jesus, name. Au nom puissant de Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Clap for the Lord. On acclame pour le Seigneur Jésus. We our prayers for is it 5 o'clock? Nos prières de normally we're supposed to be here. Nous sommes supposés être là à 17h. So, no, we have a prayer for 5 p.m. to 6. Nous avons la prière de 17h à 18h. Yeah. So the fasting we break what at 5 or 6? 6 after the prayer. So prayer start 5. Donc la prière commence à 17h. Okay. So what we do there, if his praises is one, if his worship one, so that we keep the time. Pour qu'on puisse garder le temps, faire une louange, une adoration. Yeah. God bless us. Dieu nous bénisse. Yeah. Shalom. Shalom. Bless you, Pastor. Amen. Amen. So God willing, tomorrow, let's come on time and let's call the brethren who couldn't make it today. Demain, venons vite et invitons les frères qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Let's call and check up on them.
appelons et prenons de leurs nouvelles. I understand some of us are not feeling well. Je comprends que certains d'entre nous ne se portent pray pas that bien. The Lord restore you. Prie que le Seigneur vous restaure. Pray the mighty hand of God over your lives. La main puissante de Dieu sur vos pray vies. And open heavens over you. Prions que le ciel s'ouvre pray sur divine vous. Healing. Prions la guérison in divine. Jesus' name. Amen. God bless you once again, Pastor. Dieu vous bénisse, let's Pastor. Let's be on our feet. On peut se tenir sur nos pieds. Tomorrow, if you are coming, you will be taking offering. Demain, si vous venez, apprêtez vos cartes, nous allons prendre if you are coming, come with your offering. Donc, quand vous venez demain, venez avec votre offrande. Amen. Amen. Let's share the grace. On partage la grâce. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life. And we are dwelling in the house of the Lord forever and ever. Amen.